Salut, ami bluesman. Plan harmonica blues numéro 3. Pour cette semaine, j'ai choisi un plan delta blues. Je joue sur un harmonica bête de course en si bémol. Je te fais la démonstration et ensuite je t'explique comment tu peux apprendre à le jouer. Si tu veux rapidement te faire plaisir en apprenant la musique, abonne-toi à cette chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne rien louper. Ce serait ballot. 1, 2, 3, 4. Alors, ce plan commence sur le premier temps de la première mesure et c'est presque deux fois la même phrase. C'est un truc qu'on fait souvent en blues, de répéter la même phrase avec une petite variation. Donc, dans la première phrase, attention, on commence par des croches ternaires et ensuite nous avons des triolets. Si tu regardes bien le quatrième temps de la première mesure, nous avons un 6 soufflé suivi d'un 4 aspiré. Bon, il n'est pas possible de lier le 6 soufflé et le 4 aspiré sur l'harmonica. Mais en fait, je considère que le 4 aspiré permet de lancer la seconde partie de la phrase qui commence par le 5 aspiré. Donc, tu peux considérer que le 4 aspiré, c'est en quelque sorte une anacrouse de la mesure suivante. Okay ? Donc, comment je travaille cette première phrase ? Je la découpe en deux. Je commence par jouer la première mesure. Je travaille d'abord la première mesure sans le 4 aspiré. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je travaille la seconde partie de la phrase, tout d'abord sans le 4 aspiré. Donc, je commence sur le premier temps de la mesure numéro 2. 1, 2, 3, 4. À présent, j'ajoute le 4 en anacrouse de la mesure numéro 2. Donc, je commence sur le « et » du 4. 1, 2, 3, 4. Je procède de la même façon pour la seconde phrase. Je la découpe en deux. Je commence par jouer la troisième mesure sans le 4 aspiré. Attention, ce ne sont pas exactement les mêmes notes que dans la première mesure. Attention également, on commence cette fois sur le « et » du 1. 1, 2, 3, 4, 1. À présent, nous travaillons la seconde partie de la seconde phrase. Mélodiquement, c'est presque la même chose que la seconde partie de la première phrase, seule la dernière note change. 1, 2, 3, 4. À présent, cette seconde partie de la seconde phrase avec l'anacrouse en 4 aspirés. 1, 2, 3, 4. À présent, la seconde phrase complète. 1, 2, 3, 4, 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme effet là-dessus ? Sur les notes aspirées, on peut jouer des deep bends. Donc, je ne serais pas heureux d'en mettre partout, mais par exemple, on peut en mettre un sur le premier 6 aspiré. Également sur le 5 aspiré en mesure 2. Et aussi en 5 aspiré sur la mesure 4. Comme c'est presque la même phrase, je recopie aussi les effets. Pour la première partie de la seconde phrase, je joue plutôt un glissando pour relancer la phrase, vu qu'elle est un petit peu différente de la première, puisqu'on ne commence pas sur le premier temps, je joue un effet différent. Donc, première partie de la première phrase avec le deep bend. 1, 2, 3.
4. Seconde partie de la première phrase avec le deep bend et la nacrouse. 1, 2, 3, 4. Première partie de la seconde phrase avec le glissando. 3, 4. Seconde partie de la seconde phrase avec le deep bend sur le 5 et la nacrouse en 4. 1, 2, 3, 4. On peut également ajouter des vibratos sur les notes longues. Donc sur le 2, aspiré en mesure 2 et sur le 4, aspiré en mesure 4. Donc je refais la seconde partie de la première phrase. 1, 2, 3, 4. Et la seconde partie de la seconde phrase. 3, 4. Je refais l'ensemble avec les effets. 1, 2, 3, 4. Pour bien retenir ce plan et le replacer dans tes solos, l'idéal et d'en comprendre l'analyse. Je viens de publier un article à ce sujet sur armoidiatojazz.com. Tu trouveras le lien pour y accéder en bas de cette vidéo. Tu peux même télécharger ton cadeau offert, à savoir la partition, la tablature, la démonstration et une piste d'accompagnement pour pouvoir rejouer ce plan accompagné par de vrais musiciens. Travaille bien, amuse-toi bien, prends du plaisir. On se retrouve lundi prochain, lundi matin, pour un nouveau plan harmonica blues.